Terra Luna à 1 dollar. Ah, les amis, Terra Luna à 1 dollar. Est-ce que c'est possible? D'après vous, est-ce que cela est possible? D'autres me diront oui, c'est possible. Voilà, ça peut remonter à 1 dollar. Mais bon, on va voir. Avant de commencer, salut tout le monde, salut la famille. J'espère que vous allez bien. Ici, le vétérinaire de Plus Sénégal. Voilà. Si vous tombez pour la première fois sur ma chaîne, sachez qu'ici, on parle de crypto-monnaie, de business en ligne, d'investissement en ligne. Donc, vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Voilà. Donc, le sujet, c'est quoi? C'est Terra Luna à 1 dollar. Est-ce que c'est possible que Terra Luna puisse remonter jusqu'à 1 dollar? Je vois pas mal de vidéos. Hein. Ils disent que voilà, Terra Luna, 1 dollar et tout. Mais moi, je vais donner mon avis. Hein. En fait, il y a trois options. Il y a trois options actuellement qu'ils sont en train de mettre en place. Je ne sais pas quelle option ils vont adopter. Donc, la première option, c'est quoi? C'est qu'ils sont en train de mettre un fork. C'est-à-dire de créer dupliquer Terra Luna. C'est-à-dire de créer un autre Terra Luna, qui sera peut-être Terra Luna 2, je ne sais pas. Un V2, comme ça. Pour essayer de copier la version première. Voilà. Créer une autre version de Terra Luna. Et puis recommencer là-bas à investir là-bas. Qui va être une nouvelle crypto-monnaie. Hein. Voilà. Ils sont en train même de voter actuellement. Donc, on ne sait pas quelle sera la décision parce que le vote a été laissé pour que la communauté puisse voter par rapport à ça. Maintenant, l'autre option, c'est quoi? Ils ont proposé aussi l'option de burn. L'option de burn qui consiste à brûler des pièces de supply. Beaucoup de pièces, en tout cas, beaucoup, beaucoup de pièces. Donc, par rapport à ça, la troisième option. C'est que bon, soit le mec il décide voilà de se barrer avec la caisse, prendre les clés de la caisse et puis voilà, ciao ciao, fini Terra Luna. Là c'est la troisième option. Donc la première option, moi bon, je pense pas que ça va être adopté. Hein, la première option qui est celle du fork, je pense pas qu'on puisse le mettre en place parce que je pense pas avoir des gens venir. Bon, ça peut être hein, attirer de nouveaux investisseurs, venir mettre un deuxième Terra Luna. Voilà, vous dites que voilà, c'est sûr, ça on va repartir. L'autre, on laisse ça comme ça, on oublie dans les oubliettes et tout. Mais je pense pas que la communauté va accepter cela. Parce que voilà, ça, c'est mon avis à moi. Voilà. Mais la deuxième option qui est celle du burn, c'est possible qu'on prenne cette option. Et on essaie de burn le maximum possible. Mais bon, ça serait pas facile parce que là-bas, il faudra vu. Le market cap actuellement de l'actif, ceux qui disent que Terra Luna a 1 dollar, 1 dollar, sachez que actuellement le market cap de Terra Luna, si on est à 0,30, donc c'est-à-dire il faut un Terra Luna à 1 dollar, il faut 1 fois 10 000. 1 fois 10 000, 1 fois 10 000, c'est équivaut que vous prenez le market cap, allez-y, tu crées un market cap, prenez le market cap de l'actif, qui était, je ne sais pas, du combien de milliards là. Et vous multipliez ça par 10 000. Vous allez voir ça fait combien. Vous allez savoir que ce market cap là dépasse largement même le market cap de Bitcoin. Puisque vous allez multiplier par 10 000, vous allez comprendre que ça dépasse largement, largement, largement le market cap de Bitcoin. De Terra Luna, on ne peut pas voir Terra Luna actuellement au-dessus du Bitcoin. Ça, c'est impossible. Impossible. Donc, déjà, là-bas, il y a un problème. Voilà. Donc pour ceux qui disent que 1 dollar Terra Luna, ça, moi je dis que voilà, laissez tomber cette histoire de 1 dollar Terra Luna, à condition que ça peut se faire durant des années, pas maintenant. Parce que les gens pensent que non, ça va monter tout de suite, ça va reprendre et puis aller monter au-delà de, voilà, dans quelques mois seulement. Non, non. Même si ça revient à 1 dollar, il va falloir des années et puis il va falloir un gros, des burns extraordinaires. Il va falloir qu'on se mette à brûler autant de pièces, beaucoup, beaucoup de pièces, pour pouvoir arriver à 1 dollar. Donc, ce qui prendra du temps, voilà. Donc, ceux qui pensent que Terra Luna va se relever d'un coup magiquement comme ça, atteindre les 1 dollar. Voilà, vite fait, vite fait. Non, ne gaspillez pas votre temps, allez-y voir ailleurs. Il y a d'autres crypto-monnaies qui sont là, sur lesquelles on peut investir. Essayez de peut-être voir ce fois 10 ou bien ce fois 100 se réaliser sur d'autres crypto-monnaies. Mais pour l'instant, voilà, Terra Luna pour moi,
Pour moi, bon, je reste, j'observe, j'attends de voir la décision qu'ils vont prendre parmi ces trois propositions, qui est le FOC, comment dirais-je, comment dirais-je, le BUN, et puis l'autre qui est la troisième décision, la troisième option, qui est soit le gars décide de fuir, confirmer, prendre les clés de la caisse, et puis voilà, ciao, ciao, Terra Luna, tout le monde perd, et puis voilà, on reste là. Donc voilà, ce que je voulais partager, mon avis par rapport à Terra Luna. En tout cas, je pense que Terra Luna, pour moi, c'est pas la crypto sur laquelle peut-être il est possible aussi hein, de faire du x10 jusqu'à peut-être x30, x50 maximum hein, sur du court terme, c'est-à-dire pas tout de suite, mais pendant quelques mois. Voilà, si on maintient toujours, si on maintient toujours de travailler avec ce Terra Luna là et qu'il n'y a pas de fork et qu'on maintient le travail peut-être, mais avec la brûlure, si on prend l'option 2, il est possible d'atteindre les 1$, mais pas pour maintenant, sur du long terme, sur du long terme. Donc on va rester au diapason de l'actualité pour essayer de voir où est-ce que cela va nous amener par rapport aux votes qu'ils sont en train de faire et tout, voir les dernières actualités en tout cas, de suivre l'actualité pour voir quelles décisions ils vont prendre parmi ces trois options-là. Et ensuite, à partir de ces trois options, on pourra peut-être, ils pourront mettre des stratégies sur lesquelles ils vont adopter pour que le Terra Luna puisse atteindre les 1$ le plus rapidement possible. Mais pour ma part, le Terra Luna à 1$, actuellement, il est impossible. Il est impossible, donc ne rêvez pas. Ne pensez pas que vous allez venir, voilà, le Terra Luna a chuté, quitté de 100 et quelques dollars à 0,000. Donc, c'est le moment de se faire de l'argent. Non, je pense pas, je pense pas, je crois pas trop. Peut-être qu'on peut faire du x10, mais bon, ça dépend de ce qu'ils vont nous proposer, ce que l'équipe va mettre en place pour pousser aux investisseurs de toujours croire en cette crypto-monnaie et de revenir investir dessus, quoi. Voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais partager mon avis là-dessus. Donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro ici, le lien entre le Sénégal. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et d'aimer la vidéo, de partager la vidéo. Ciao, ciao!